Première équation. 5 facteurs de x moins 1 plus 2 facteurs de 4x plus 3 égale 7x. Comment on va la résoudre? On va développer ici, distributivité simple, 5 fois x, 5x, 5 fois moins 1, moins 5, plus 2 fois 4x, plus 8x, 2 fois 3, 6, égale 7x. Il faut grouper les termes avec x premier membre, donc on va soustraire 7x des deux membres. 5x plus 8x, ça fait 13x, moins 7x, ça fait 6x, égale, on additionne 5 dans les deux membres, et on additionne moins 6 dans les deux membres, afin que ces nombres-là, avec signe changé, comme on dit, qui passent dans le deuxième membre, égale moins 1. Du coup, x égale, on divise les deux membres par 6, x égale moins 1 sur 6. Et c'est la solution de la première équation. La deuxième, moins 5, facteur de 8x plus 9, égale 3, facteur de 7x moins 3. Même procédé, moins 5 fois 8x moins 40x, moins 5 fois 9 moins 45, égale 3 fois 7x, 21x, 3 fois moins 3, moins 9. Même principe, le terme en x, moins 40x, on soustrait 21x des deux membres, moins 21x, et là en soustrayant 21 membres, 21x disparaît, égal, parce que j'additionne 45 dans les deux membres, donc moins 45 disparaît, 45 moins 9. J'ai additionné 45 dans les deux membres. Moins 40 moins 21, ça fait moins 61x, égale 36. X égale moins 36 sur 61. La solution de cette équation, c'est moins 36 sur 61. C'est vivement conseillé de vérifier la valeur obtenue en la remplaçant ici pour voir si c'est vraiment une égalité. Et pareil ici, moins 36 sur 61, qui donne environ un nombre 0, remplacer donc moins 36 sur 61 dans la première équation pour vérifier si l'égalité est vraie. Troisième équation, 2x moins 5 égale 6. 2x égale 6 plus 5, 11. X égale 11 sur 2. Quatrième équation, 2 facteurs de x moins 5 égale 6. On développe. On peut développer ou diviser les deux membres par 2. On divise les deux membres par 2. X moins 5 égale 3. X égale 8. Cinquième équation. 3 facteurs de 2x moins 7 égale 0. Un produit est nul quand on au moins des facteurs est nul. 3 n'est pas nul, donc 2x moins 7 doit être nul. Donc 2x égale 7. X égale 7 demi. Sixième équation, 4x carré égale 100. Malgré les apparences, ce n'est pas une équation de second degré, parce qu'elle peut s'écrire, d'abord je peux diviser les deux membres par 4, x carré égale 25, et ici la faute générale, c'est de dire x égale racine de 25, c'est-à-dire 5. Mais, si je passe dans le premier membre, x carré moins 25 égale 0, du coup, x plus 5, fois x moins 5 égale 0, selon une identité remarquable, on produit nul quand un des facteurs est nul, donc ou bien x plus 5 égale 0, ou bien x moins 5 égale 0. Ce qui nous donne les deux solutions de l'équation, 5 et moins 5. Donc la faute qui peut être, c'est ici, trouver que x égale 5, mais bien sûr on peut avoir x égale moins 5, parce que si moins 5 au carré, ça fait 25. Un problème de mise en équation, le produit de deux entiers est 899, on va les appeler x et y, donc x fois y égale 899. Si l'on retranche 15 à l'un des facteurs, par exemple à x, donc x moins 15,
Ce produit devient, donc le produit x moins 15 fois y, le produit devient 434. Je vais exploiter cette équation. Si je développe, ça fait xy moins 15y égale 434. Et comme x égale 899, je peux remplacer xy par 899 moins 15y égale 434 moins 15y égale 434 moins 899 moins 15y égale moins 455. Y égale moins 455 divisé par moins 15. Moins divisé par moins plus, pas de problème. Donc il faut que je divise ces deux nombres par 5. 3. 5 en 45, 9 fois. Et en 5, une fois. 91 sur 3. Dans la vitesse, on a ma soustrait ici. 434 moins 899, ça fait moins 465. C'est pour ça que la division, ça va être plus joli. 465 sur 15. 15 en 46, 3 fois. 45, une fois. Y égale 41, 31. En remplaçant xy, on trouve y égale, pardon, x égale 899 sur 31. 2 fois, 62, et le reste, 9 fois. X égale 29, y égale 31, sont les nombres entiers au départ. Huitième exercice, on considère l'expression A égale 9x² plus 24x plus 16 plus parenthèse 3x plus 4, facteur de 2x moins 5. Premièrement, factorisez l'expression 9x² plus 24x plus 16. On reconnaît a carré plus 2ab plus b carré, c'est-à-dire le développement de a plus b au carré. Donc, ça revient à dire que ça c'est égal à 3x plus 4 au carré. N'oubliez pas de vérifier que 2ab, ça fait exactement 24x. 2 fois 3x fois 4, ça fait 24x. Puis, il demande de factoriser A. Évidemment que A, cette fois-ci, c'est égal. Cela est égal à 3x plus 4 au carré plus 3x plus 4 facteur de 2x moins 5 égale, on a un facteur commun, si on écrit de façon plus développée, 3x plus 4 fois 3x plus 4, ceci, plus 3x plus 4 fois 2x moins 5. Ici, c'est une somme avec ces deux termes-là. Dans ce terme, il y a ce facteur, et dans ce terme, il y a ce facteur. Autrement dit, nous voilà devant un facteur commun. Et bien, ce facteur commun, on va le mettre en facteur. 3x plus 4, facteur de 3x plus 4, celui-ci, plus 2x moins 5, celui-ci. 3x plus 4, facteur de, ici on peut additionner, 3x plus 2x, 5x, plus 4 moins 5, moins 1. Et nous voilà la factorisation demandée de l'expression. Finalement, on va résoudre l'équation A égale 0, c'est-à-dire 3x plus 4, facteur 5x moins 1 égale 0. C'est une équation produit nul, un des facteurs est nul, ou bien 3x plus 4 égale 0, ou bien 5x moins 1 égale 0. Donc x égale moins 4 tiers ou x égale 1 sur 5. Les solutions de l'équation A égale 0 sont moins 4 tiers et 1 cinquième. Et un peu de programme de calcul qui va déboucher dans des équations. Choisir un nombre. Calculer son triple. Ajouter 2. Calculer le carré du résultat obtenu. Soustraire le carré de 3 et noter le résultat final. On va faire ça avec le nombre moins 2. Donc on l'a choisi. Calculer son triple. Moins 2 fois 3 égale moins 6. Ajouter 2. Moins 6 plus 2 égale moins 4.
calcule le carré du résultat obtenu, moins 4 au carré égale 16, soustrait le carré de 3, 16 moins 3, le carré de 3, donc 16 moins 9 égale 7. On va faire la même chose avec 0, parce qu'on a envie, 0 fois 3 égale 0, 0 plus 2 égale 2, 2 carré égale 4, 4 moins 9 égale moins 5. 4 tiers, même entraînement, 4 tiers c'est le nombre choisi, 4 tiers le triple fois 3 égale 4, ajoutez 2, 4 plus 2 égale 6, le carré du résultat, 6 au carré égale 36, soustrait le carré de 3, 36 moins 9 égale 27. 1, 3 fois, égale 3, dernier choix, son triple, ajoutez 2, 3 plus 2 égale 5, le carré de 5 égale 25, et de 25, on soustrait le carré de 3, 9 égale 16. Remarquez que ces résultats s'obtiennent à partir du nombre choisi initialement en effectuant les mêmes opérations, programme de calcul. Et si le nombre initial x était appelé x, comment on peut trouver le reste? On choisit x, on multiplie par 3, on ajoute 2, évidemment, au résultat. Comme la multiplication est prioritaire, les parenthèses ne sont pas nécessaires. Calculez le carré du résultat obtenu, donc le carré de tout ça, et soustraire 9. Le résultat final, c'est donc 3x plus 2 au carré moins 9. On peut développer ou on peut ne pas développer. Et finalement, on se demande quel serait x afin que le résultat obtenu soit 0, ou quel serait x afin que le résultat obtenu soit 16. On reconnaît ici et ici une identité remarquable, a carré moins b carré. On factorise 3x plus 2 plus 3, facteur de 3x plus 2 moins 3 égale 0, 3x plus 5, facteur de 3x moins 1 égale 0. Un produit est nul quand un des facteurs est nul, donc ou bien 3x plus 5 égale 0, ou 3x moins 1 égale 0. Finalement, x égale moins 5 tiers, ou x égale 1 tiers. Le nombre au départ doit être donc moins 5 tiers, ou 1 tiers, afin qu'à la fin on trouve 0. De ce côté, 3x plus 2 plus 3, facteur de 3x plus 2 moins 3, égale 16. Remarquez qu'ici, on ne peut pas faire la même chose que tout à l'heure. Le produit n'est pas 0. Alors, on va passer 3x plus 2 au carré, moins 9 moins 6, 16, ça fait moins 25, moins 5 au carré, ça fait 25. Et de nouveau, ici, on applique la formule A plus B, facteur de A moins B, égale 0. 3x plus 7 égale 0, ou 3x moins 3 égale 0. Du coup, x égale moins 7 tiers, ou x égale 1. Donc, si 1 ou moins 7 tiers, on l'a au début, en effectuant le programme de calcul proposé dans l'exercice, le résultat est 16. Ici, si le premier nombre est moins 5 tiers ou 1 tiers, en effectuant le programme de calcul, le résultat est 0.